Alors, un petit coucou ce matin pour un nouvel arrivage. Bon, je le fais pas à chaque fois parce qu'il y a des fois j'ai pas le temps de tout filmer. Hein, donc après, je vous fais voir ça au jardin en général. Donc là, je vais vous les faire voir comme ça. Puis après, je vous les ferai voir en place. Donc là, en fait, alors dans le coin, alors j'ai trois petits bouleaux blancs. Parce que j'adore la sève de bouleau. Mais bon, il va falloir attendre quelques années avant qu'ils puissent m'en donner. Voilà, ça me permet d'avoir une essence différente, en tout cas dans le jardin. J'essaye de préserver un maximum d'essence ici. Après, donc voilà, comme j'ai de la place, je plante. Après, j'ai pris aussi des caragagnées. Alors, c'est les trois plants qui sont là. Donc, j'en ai pris trois. Alors, ceux qui ne connaissent pas le caragagné, ça fait des haricots. Voilà. Donc, en fait, comme je suis dans un but, hein, comme je vous l'ai dit, d'autonomie, de forêt nourricière, fruitière, enfin bon, bref, hein, tout ce qui peut nous nourrir principalement. Après, je rajoute des fleurs parce qu'il faut penser aussi aux insectes. Hein, pour la pollinisation, je rajoute pas mal de petites choses à côté, mais le principal se mange quand même. Donc les caragagnées, voilà, ça va me permettre d'avoir des haricots. Donc voilà, si un jour je suis en pénurie du haricot dans mon jardin, je sais pas si je perds mes récoltes ou autre, j'aurai au moins ces arbres. Enfin, ces arbustes, parce que c'est pas vraiment des grands arbres. Après, j'ai pris, donc là, c'est des fleurs, complètement à droite, là. Donc, c'est des cœurs de Marie. Donc, j'en avais déjà mis deux pieds. Donc, on a un troisième. Moi, ouais, je trouve ça très joli. Alors, je ne sais plus quelle couleur il est, là. Donc, je ne sais plus. Ce que j'ai mis, déjà, c'est un rouge et un blanc. Et là, peut-être un rose, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai pris. Parce que la commande a été faite il y a déjà un petit moment. Donc autrement, j'ai pris du gingembre japonais, donc c'est du myoga. J'en ai déjà mis en sous-bois qui a très très bien pris. Là il est sorti cette année et donc je vais en remettre deux autres pieds. Je crois que c'était du myoga aussi que j'avais mis, en tout cas c'était du gingembre qui résiste aussi au froid. Alors normalement ce gingembre est moins fort que l'autre. Non, mais il permet de faire de la cuisine, voilà. Et ça permet d'avoir un peu de gingembre chez nous aussi. Alors, est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques? Il faudrait que je fasse des recherches, je ne suis pas sûre. Donc voilà, après j'ai pris une chair plume royale. Donc là, ça ne se mange pas, c'est plus ornemental. C'est celui qui a le feuillage rouge là. Bon, il a un peu souffert pour le transport, mais bon, après ça revient vite. Hein. Donc voilà, après j'ai repris deux azéminiers qui sont devant, donc j'en ai déjà 6 au jardin, j'en rajoute deux autres, donc ce qui fera 8. Et j'ai fait aussi des semis, pour l'instant je ne vois rien qui sort. J'en ai refait là dernièrement en achetant des graines qui étaient déjà pré-germées au cas où, donc j'en ai remis 10. En espérant qu'ils prennent. Il y a un germe qui était cassé pendant le transport, donc on va voir, il y en aura peut-être 9 hein, en tout cas. Et donc j'ai contacté aussi un particulier hein, comme moi qui est passionné, qui a pas mal de variétés lui aussi, donc je lui ai fait un petit don, et pour un échange de graines. Un échange, c'est pas. Moi, j'ai pas grand chose pour le moment. C'est petit, donc c'est pas évident. Parce que normalement, je devrais mettre des avocatiers et tout, qui résistent aussi par chez nous. Mais je vous ferai voir ça en temps voulu, parce que pour l'instant, on va s'en tenir ici. J'en ai fait venir aussi par la poste, mais lui, normalement, il peut m'en donner une bonne quantité. Ce que je vais faire, comme j'ai de la place en sous-bois et que ça peut résister aussi en sous-bois, je vais en mettre aussi en sous-bois. C'est comme les azéminiers, et ça supporte bien le sous-bois, donc je vais en mettre aussi en sous-bois. Le but, c'est de mettre, de faire vraiment une forêt.
et le plus possible comestible. Donc moi j'ai surtout des chênes ici. Donc si un jour les chênes gênaient, enfin par endroit, hein, parce que de toute façon je laisserai toujours une bonne partie de chêne. Si certains gênent, ben on coupera quelques branches et tout, de façon à faire un peu de place pour ceux qui donnent des fruits, bien sûr. Mais bon, moi, comme vous le savez, je me sers des chênes, donc déjà c'est une source pour la cheminée, mais ils me servent aussi pour bah, les glands. Hein. Les glands, c'est... Enfin, moi, j'adore ça. Et beaucoup sont étonnés, mais bien préparé, c'est très bon. Alors, après, j'ai repris deux argousiers femelles. J'en avais déjà deux, donc ce qui fait encore deux autres. Donc voilà, plus j'avais un mâle, donc un mâle et quatre femelles. Voilà. Et j'ai repris un néflier du Japon, alors assez grand parce que j'en avais deux, mais il y en a un, je ne suis pas sûre qu'il reprenne, il était petit. Je ne suis pas sûre. Donc par précaution, comme j'aime bien les mettre au moins par deux pour la pollinisation, la plupart du temps, même si là je ne suis pas sûre qu'il en fasse deux. Qu'il en faille deux, pardon. Bon, j'ai préféré quand même, voilà, en reprendre un autre. Surtout que les nèfles du Japon, il paraît que c'est super bon. Bon, le monsieur que j'ai contacté, on a discuté pendant pratiquement 4 heures au téléphone. Je pensais pas qu'on allait rester si longtemps. Voilà, hein, entre passionné et bavard. Enfin bon, bref. Donc du coup il va m'envoyer aussi des noyaux de nèfles qui sont tout frais parce qu'il était en train d'en manger le temps qu'il était avec moi au téléphone. Voilà. Puis il m'a dit que je pouvais aussi en mettre en sous-bois. Donc bah, je ne vais pas me gêner, vu que j'ai de la place en sous-bois, j'en mettrai en sous-bois. Celui-ci, j'hésite à le mettre à côté de l'autre, mais il faut que je regarde justement pour la pollinisation croisée si c'est bien qu'ils soient ensemble. Parce que du coup, je les avais mis au soleil. Et ils disent souvent de mettre au soleil, voire mi-ombre. Mais il y a beaucoup de plantes. Hein. Je l'ai remarqué au fur et à mesure du temps. Souvent, quand ils mettent plein soleil, en fait, en mi-ombre, ça se plaît beaucoup mieux. Bon, à part peut-être certaines choses, mais dans l'ensemble. Hé, pépère! Nom du Dieu! Ils font des bêtises. Là, ils ont commencé à sortir depuis une semaine, à 15 jours. Donc là, ça découvre. Hein, et tout est bon. Donc, bah, voilà. Bon, bah, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Et puis, bah, je vous reprendrai peut-être plus tard avec, je ne sais pas, si j'ai le temps de, voilà, d'avancer un petit peu plus ailleurs. Allez, je vous dis à bientôt. Salut! Donc voilà, je viens enfin de finir de tuteurer les tomates, au moins qui sont devant. Ils sont plantés quand même depuis début mai, donc j'essaye de trouver le temps de tout faire. Alors il y en a qui se sont un peu débrouillés par eux-mêmes hein, au début, donc certains ont pris une forme un peu spéciale, mais peu importe, le but c'est d'avoir de la tomate, peu importe la forme du tomatier, on va dire. Donc voilà, donc là c'est système D pour utiliser le moins de tuteurs possible et pour m'éviter de refaire des tuteurs en bambou, parce que comme j'ai mis pas mal de pieds de tomate, je dois avoir pas loin de 300 pieds en tout. Donc du coup, voilà, j'ai fait au plus vite, au moins cher possible, enfin, tout en étant, comment dire, quand même, que ça tienne quand même. Donc voilà. Donc voilà, bon, bah, elles sont belles, hein, donc j'ai pas mal de petites fleurs. Certains, j'ai vu que là-bas, il y a des petites tomates, je pense que les tomates cerises qui commencent à venir. Donc voilà, il y a des petites fleurs par endroit. Hop, c'est flou, c'est le problème, c'est que ça fait le point sur celles qui sont devant, les feuilles. Voilà. Donc, début mai, nous c'est vrai qu'il faisait assez doux, mais la seule chose c'est qu'on a eu quand même des nuits assez fraîches, donc ça a sûrement dû les retarder un petit peu au début, mais elles font quand même un bon mètre de haut pour la plupart, hein, 80, 90, 1 mètre. Après, certaines font un peu moins, hein, comme celle-ci. Alors là, c'est ce que je vous disais, j'ai une petite tomate. Hop, je ne sais pas si vous allez voir.
Si, elle est là. Qui commence à venir. Alors, il faut savoir que donc on ne peut pas comparer un petit jardin encastré hein, de ville et dans une serre et un jardin qui est à l'extérieur comme ici, voilà, en plein vent. Donc, je vais être sûrement plus en retard que certains, malgré que je les ai mis plus tôt. Et puis, voilà, ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas comparer. En plus, bon, bah, moi, ma terre, je mets un point d'honneur à pas y toucher du tout. Donc, même si elle est argileuse, elle reste argileuse. Même si elle est dure, elle reste dure. Et je plante mes pieds et on verra l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'essais cette année. J'ai mis énormément de pieds de tomates, entre autres. Hein. Et donc, ce qui me permet d'essayer de planter directement dans l'argile, en plein soleil, parce que bon, l'avantage de l'argile, c'est que ça garde quand même la fraîcheur aux pieds, parce que bon, ça retient l'eau. Donc, on va voir si les pieds de tomates arrivent à se débrouiller dedans. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air mal parti. Bien sûr, ils sont moins hauts qu'ici, parce qu'ici, il y a un peu d'ombre. Hein. Mais je vous ferai voir ça plus tard, parce que là je vous fais voir que devant, ce que j'ai pas encore tuturé les autres, donc je vais les tuturer avant de vous les faire voir. Mais voilà, je fais des essais, voir ce que ça donne. Alors il y a certains pieds, vous avez vu, alors là je les fais partir complètement de travers pour récupérer la structure. Font des fleurs quand même, hein, voilà. Peu importe si elles sont droites, pas droites, du moment qu'elles puissent monter et pas traîner au sol. Quoique, je suis même certaine, de toute façon, je vais bien voir hein, si j'ai pas assez de tuteurs, il y en a certaines qui resteront au sol. On verra ce que ça donne, justement, ça permettra de faire des essais. Et là, j'ai profité des tuteurs naturels. J'ai ma chicorée qui est en train de monter. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein. On essaye. Donc j'ai attaché les pieds de tomates directement sur les pieds de chicorée. Donc on va voir. Donc voilà, donc bah, c'est bien parti dans l'ensemble. Hein. Alors j'ai aussi laissé le bourrier au pied tant que ce n'est pas du bourrier qui devient très haut, de façon à garder la fraîcheur au pied parce qu'ici ce n'est pas paillé. Donc je préfère quand même garder un peu de fraîcheur, surtout qu'ici c'est quand même plein sud. Donc là, pour l'instant, on est encore le matin, donc ça tape pas encore trop trop là, mais ça va pas tarder. Mais ça tape parce que là, je viens de finir le tuteurage, hein, donc je vais vous faire voir ce que j'ai mis. Donc là, c'est la structure que j'avais fait l'année dernière en bambou, hein, mais le problème, c'est que le bambou, ça va être éphémère, hein, et comme ils sont pas traités, ils sont directement. Ils viennent de mon jardin, donc la structure, ça se trouve, d'ici un an ou deux, va se casser la figure. Hein. Il y a de grandes chances, hein. Même d'ailleurs. Donc il faudra soit que je la renforce avant, soit que je change mon système. Donc voilà, donc ici, bah, encore des pieds de tomates. Hein. Donc j'ai différentes variétés. Ce que je vais faire, je vous dirai ce que j'ai mis après. J'ai fait une liste de toute façon. Donc voilà, donc il y a des fleurs. Donc c'est bien parti. Bon, il y a peut-être des petites tomates par-ci par-là. Hein, parce que en principe, moi je coupe pas les gourmands. J'ai de la place, donc en principe je les laisse, même si certaines sont assez serrées là-bas. On verra ce que ça donne. S'il y a besoin de les couper, je les couperai. En attendant, je les laisse. Donc celle-ci, elle était couchée au sol, donc forcément, ce qui fait qu'elle a plus de comment trop de feuilles ici et qu'elle commençait limite à s'enraciner. Et donc, mais ça ne l'a pas empêchée, voilà, de faire des fleurs. Donc je l'ai attachée. Là, c'est pareil. Voilà, bon, alors je vais vous expliquer un peu le système que j'ai mis. Alors, ce que j'ai fait, comme vous voyez sur les côtés, j'ai mis. Attendez, on va peut-être aller à l'ombre, ça sera peut-être plus facile de voir. Et là-bas, je pense, parce que là, c'est un peu au soleil, et même moi, je vois même pas mon écran, donc c'est pas évident. Donc, ce que j'ai fait, oui, mais du coup, là, on est au faux jour, peut-être en partant d'ici. On va voir. Alors, ce que j'ai fait, alors je vais en mettant comme ça, peut-être. Bon, je vois pas trop mon écran. En gros, j'ai mis deux tuteurs torsadés dans chaque bout, en fait, tous les 2 mètres pour les grandes parties. Donc, forcément, deux tuteurs comme ça, c'est pas évident que ça tienne.
Mais ce que j'ai fait, j'ai acheté des barres en fibre de verre. Voilà. Alors, j'ai pris des 2 mètres et des 1 mètre. Suivant, parce que bon, j'avais calculé un peu avant par rapport, parce que là, c'est des bacs qui sont devant. J'avais calculé pour voir à peu près la longueur qu'il me fallait. Et donc, j'ai vu que là, en mettant 4 mètres, je faisais pratiquement, enfin, 2 et 2, ça faisait pratiquement tout, bah, ça allait jusqu'au bout. Et parce qu'après, il y a une partie qui est à l'ombre, donc j'ai laissé, j'ai pas mis d'autres pieds de tomates au pied des bambous là. Et de l'autre côté, j'ai pris aussi alors, des bouts de 1 mètre, ce qui m'a permis de faire des structures un peu bizarres, mais ce qui me permet aussi d'attacher entre les deux. Souvent, je ne me voyais pas mettre une barre de 2 mètres, surtout qu'elles sont plus chères. Donc voilà, j'ai fait une espèce de triangle, voilà, prise sur la structure d'un côté en bambou et de l'autre côté sur la structure qui était là. Donc voilà, et puis ben, m'a maintenu avec des ficelles. Donc j'ai fait comme ça. Ici, ce sont des haricots mange-tout. Donc je suis en train d'en laisser. Je les laisse volontairement monter en graines. Je veux avoir beaucoup plus de graines que ce que j'avais. Donc voilà, ils sont beaux. Hein, ils n'ont pas été trop mangés pour une fois. Donc je les laisse bien grossir pour faire de la belle graine. Et au moins, je repartirai sur mes graines à moi. Donc, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà. Comme ça, ils seront habitués au moins à mon terroir. Et autrement, ici, pour finir, donc bon, là, j'ai quelques salades, mais comme je pioche dedans au fur et à mesure, forcément, elles sont plus très belles. Le but de piocher seulement et ne pas la couper, c'est que dans les débuts, je vais tout laisser grainer et prendre même. Ou alors couper le bout une fois que la graine sera prête et l'étaler un petit peu partout ici, derrière. Voilà, mon but c'est d'en avoir partout dans le jardin, comme j'ai un grand jardin. Voilà, pour l'instant je les laisse toutes monter. Quand il y en aura beaucoup, après je pourrais peut-être couper, mais pour l'instant je les laisse. Et je prends ce que j'ai besoin au fur et à mesure. Donc j'en ai un petit peu là, mais le reste est derrière. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai donc ici d'habitude je mets des courges où j'ai fait les pieds, où j'ai fait des semis. La seule chose c'est que là j'ai pas, je les ai mis derrière, je les ai pas mises là. Par contre, au pied des tomates. Alors j'en ai mis beaucoup trop normalement, donc on verra ce qui prend, ce qui prend pas. J'ai mis ce que j'ai dit. Des centaines de graines, hein. Il faut savoir que quand bon, la plupart le savent d'ailleurs, quand on découpe une courge, il y a un paquet de graines, hein. Donc ça m'est arrivé de garder toutes les graines de courge d'une seule courge, et rien qu'avec ça, on a ce qu'il faut. Mais la nature est bien faite parce que c'est vrai que les courges se font énormément, enfin, les pieds de courge se font énormément manger, courge, courgette et concombre. Et donc, on a de la chance, ça fait plein de graines. Donc là, j'ai fait des semis directs. Alors, je viens de les faire, je les ai faits hier, parce qu'ils vont être décalés par rapport aux pieds que j'ai déjà mis en place au jardin. Donc, c'était aussi le but. Alors, j'en ai mis ici devant, partout. Il va y en avoir partout qui vont venir, normalement, si ça vient, si les graines sont viables. Et encore viables, parce qu'il y en a que j'avais depuis un petit moment. Et puis derrière, j'en ai mis aussi un petit peu partout dans mes zones de culture, mais aussi en sous-bois. Alors voilà, hein, je fais des essais, vu que et encore, je pourrais encore en planter. Hein. J'en ai même pas à planter la moitié de ce que j'ai encore en graines. C'est énorme tout ce que j'avais en graines. Donc voilà, bah écoutez, cette petite vidéo va se terminer sur une vue des bananiers. Alors là, ceux-là, ils sont où, hein? Alors malheureusement, voilà, des régimes de bananes. Alors, attendez, je vais essayer parce que comme j'ai mis une protection sur l'écran, ça marche pas toujours. Voilà, là, il y a un régime de bananes qui va venir. La seule chose, alors il faut savoir que quand un bananier fait un régime de bananes, le bananier meurt. Par contre, il y en a d'autres qui poussent au pied. Hein. C'est pas ce qui manque. La seule chose, c'est qu'ils poussent un petit peu partout, même là où on ne le décide pas. Hein. Ils sont dans mes zones de culture. Voilà, j'ai des bananiers qui poussent parmi mes tomates. Donc voilà, il faudrait les couper directement. Donc là, on ne l'a pas fait. Mais du coup, je ne sais pas si un jour, de toute façon, je pourrais même peut-être plus planter ici. On verra.
Bon, après, j'ai de la place derrière, donc c'est pas trop trop grave. Donc ceux-là, forcément, hein, comme vous voyez la taille des... Voilà, par rapport à ma main, hein, les pieds sont bien gros, hein. Donc, et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, malheureusement, ces bananiers-là, contrairement à ceux que j'ai mis derrière, les bananes ne sont pas comestibles. Ce qui n'est pas le cas de ceux que j'ai mis derrière. Enfin, en principe, on les a vendus pour du comestible, donc il n'y a pas de raison. Et ils devraient être bien placés aussi, ils sont bien partis d'ailleurs, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Allez, salut! Yeah.